Bonjour François, bonjour à tous nos amis de l'UTBM. Moi c'est Clément Harbib, donc je suis promo 10, diplômé de l'UTBM en 2013 du département énergie environnement, et j'ai également fait le master A2I, donc affaires industrielles internationales. J'habite à Tunis depuis 3 ans maintenant. Je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, donc du développement de projets éoliens et photovoltaïques. J'ai commencé en VIE, donc pendant 2 ans en volontariat international en entreprise, et je suis actuellement chef de projet. Pour vous parler de la situation un petit peu à Tunis, on est en confinement total depuis un peu plus d'une semaine, et les frontières sont également complètement fermées maintenant. Donc ça a un impact évident sur l'économie du pays. Je pense notamment au secteur touristique qui est déjà beaucoup impacté et qui va être d'autant plus impacté sur la saison estivale. Mais également nous, à notre échelle, pour notre entreprise, l'activité est complètement au ralenti. Donc pour pallier un petit peu à ça, on essaie de trouver des activités, ou en tout cas moi, à mon échelle individuelle, essayer de me former sur certaines choses. Je pense notamment à l'apprentissage de langues que vous pouvez faire sur certaines applications, et également des cours en ligne, donc tout ce qui est MOOC que vous pouvez accéder depuis chez vous. De manière plus générale, je vous invite à essayer de garder un rythme au long de la journée, et notamment une des très bonnes solutions, c'est de garder dans la mesure du possible une activité physique ou sportive chez vous, ce qui permet de garder un rythme au fil des journées. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour cette période, et je vous invite surtout à venir passer vos vacances en Tunisie pour découvrir ce merveilleux pays et soutenir le secteur touristique ici. À très bientôt!